Alors que nous évoluons à tous les jours, est-ce que nous savons vraiment ce que nous voulons? Est-ce que nous savons vraiment ce dont nous avons réellement besoin? Est-ce que nous sommes entièrement satisfaits du déroulement de notre vie? Avons-nous trouvé toutes les réponses pour découvrir la raison de notre existence sur cette terre, dans cette galaxie? L'heure a sonné pour nous tous de nous élever. L'heure a sonné pour nous tous de nous réveiller de ce coma artificiel médiatique. Oui, tout le monde est sombré dans une soi-disant réalité. L'heure a sonné pour l'être humain de... Il est temps pour nous de réaliser, de comprendre, d'avoir soif de connaissance, d'avoir soif d'intellect, d'avoir soif de sagesse, d'avoir soif de science. Est-ce qu'on peut passer notre vie à boire, à fumer, à se droguer, à cluber et à faire toutes sortes d'autres choses que je ne peux pas dire devant les enfants? Il y a un temps pour chaque chose. Lorsque vous aviez une mentalité, une âme d'enfant, vous agissiez tel un enfant, croyant être adulte. Les actions que vous posiez à tous les jours étaient complètement immatures. Maintenant que vous avez grandi, que votre âme s'est amplifiée, l'heure a sonné pour vous de vous réveiller. Posez-vous des questions. Il est temps de demander. Quelle est votre réelle identité? Votre raison d'exister? Quoi, allez-vous continuer à pleurer dans votre oreiller toute la journée? Non, levez-vous. Si vous aimez nos podcasts, écoutez-les tous. Lisez mon livre, Le succès est une décision, réussir est un choix. Ce podcast, c'est un cadeau. Soyez heureux, ayez de la gratitude, ayez une bonne attitude, car aujourd'hui vous êtes en vie. Ne prenez rien pour acquis. Réalisez vos rêves. Basés sur votre nouvelle mission. Basés sur votre réelle identité. Basés sur des connexions réelles avec l'éternité. Le corps est mortel, mais l'âme est éternelle. Connectez-vous à l'éternel. S'il vous plaît, venez joindre le Club des Riches sur leclubdesriches.com et gardez l'œil ouvert car l'œil vous regarde. Merci et bon succès.